Viens à mon aide. Seigneur, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous. Psaume 118, strophe 3. Oh.
toutes tes volontés. Ton témoignage valable et délice. Tes volontés m'est conseillée. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Psaume 19. L'Esprit de vérité me rend témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Protège le nom du Dieu de Jacob. Le sanctuaire, il t'envoie le secours. Il demeure ton soutien de lui si long. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes, ton holocauste qu'il le trouve savoureux. Il te donne selon ton cœur, et tous les desseins qui les secondent. Que nous crions de joie dans ton salut. Au nom de notre Dieu, nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse les donnera le salut à son Christ. Les cieux de sainteté illuminent par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. Psaume 20. Seigneur, ta force réjouit le roi. Combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur. Tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Sur sa tête une couronne d'enfants.
Seigneur les engloutira dans sa colère et le feu les avalera. Le fruit tournera vers terre, la semence rentre très Cantique d'Isaïe, page 298. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Pourquoi dépenser notre argent pour autre chose que du pain? Ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse tomber, invoquez-le car il est proche. Que lui chante avant de ses voix, le regarde son retourne vers le Seigneur qui lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Où est le ciel au-dessus de la terre et les lois au-dessus de nos lois? Autant descend de pluie et neige et n'y remonte pas sans avoir arrosé la terre. L'avoir fécondée et fait germer pour qu'elle donne la semence puis le pain. Ainsi vient la parole sortant de la bouche, elle ne revient pas sans résultat. Sans avoir exécuté ce qui me plaît et réussi sa mission. En mon cœur, au Père Tout-Puissant, par son Fils Jésus-Christ, le Seigneur. De Raniero canta la messa, l'Esprit Saint, le don de Dieu. L'Esprit Saint est appelé don de Dieu, don du Dieu très haut ou don suprême de Dieu.
Il n'est pas de don plus excellent que la charité, qui est l'Esprit Saint. Il est donc le plus grand don de Dieu. Si tu savais le don de Dieu, dit Jésus à la Samaritaine. Et le contexte qui parle de l'eau vive a toujours permis de penser qu'il s'agit de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est défini comme le don de Dieu dans les Actes des Apôtres. Repentez-vous et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. L'expression signifie le don que donne l'Esprit Saint et le don qu'est l'Esprit Saint. Il est donné comme le don de Dieu, de manière à ce qu'il se donne lui-même comme Dieu. En ce cas, le don de l'Esprit Saint n'est autre que l'Esprit Saint lui-même. Ainsi, l'Esprit Saint, en répandant dans les cœurs la charité, ne répand pas seulement une vertu, mais lui-même. Le don de Dieu est le donateur lui-même. Nous aimons Dieu par Dieu. La grâce n'est que le don de l'Esprit Saint qui se communique à nous comme principe de vie nouvelle. La grâce sanctifiante n'est pas une simple qualité créée, répandue dans l'âme, ni une simple énergie incréée, mais l'inhabitation dans l'âme de la personne même de l'Esprit Saint et avec lui de toute la Trinité. L'Esprit Saint dans la Trinité n'est pas seulement le don au sens passif, celui qui est donné, mais aussi activement, le fait même de se donner, celui qui pousse le Fils à se redonner au Père. C'est ce qui se passe dans l'économie du salut. L'Esprit pousse le Fils à crier dans un tressaillement de joie « Abba, Père ». C'est encore l'Esprit qui suscite en Jésus le fait de s'offrir en sacrifice. Le Christ, par un Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, dit la lettre aux Hébreux. Il est à la fois le don et l'action même de se donner. L'Esprit Saint ne répand pas en nous uniquement le don de Dieu, mais aussi la capacité et le besoin de nous donner. Il nous communique ce qu'il est. Puisqu'il est l'action de se donner, il crée, là où il se trouve, une dynamique qui nous pousse à notre tour à nous donner.
Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Voici vous une charité intense, car la charité couvre la multitude des péchés. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Lecture de la première lettre de saint Pierre, apôtre. Frères, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sobres et raisonnables pour être prêts à la prière. Avant tout, ayez entre vous une charité intense, car la charité couvre la multitude des péchés. Pratiquez l'hospitalité entre vous sans récriminer. Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres comme de bons gérants de la grâce de Dieu sous toutes ses formes. Si quelqu'un a le don de parler, qu'il dise la parole de Dieu. S'il a le don du service, qu'il s'en acquitte avec la force que Dieu communique. Ainsi, en toute chose, Dieu recevra sa gloire par Jésus-Christ, car c'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Mes bien-aimés, ne vous laissez pas dérouter. Vous êtes mis à l'épreuve par les événements qui ont éclaté chez vous comme un incendie. Ce n'est pas quelque chose de déroutant qui vous arrive. Mais puisque vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Une étrange tension se lit dans le début de ce passage entre l'annonce de la parousie toute proche et l'effort d'organisation de la communauté que déploie l'auteur. Si la fin de toute chose est proche, pourquoi donc se préoccuper de distinguer les différents ministères? Pourquoi se préoccuper d'ordonner les dons de la grâce? Pourquoi même développer, dans l'ordre de l'éthique, ce qui pourrait demeurer simple attente dans la foi? Et cependant, l'on voit bien ce souci d'organisation de l'Église à l'œuvre. Ce qui est mis au premier plan est d'abord la charité. Et Pierre rejoint ici Paul, définissant l'amour comme une voie supérieure à toutes les autres, dans un développement où lui aussi énumérait les divers charismes. Il est remarquable d'ailleurs que l'apôtre élargisse ainsi le propos, car la citation qu'il fait du livre de Tobie, « La charité couvre une multitude de péchés », ne visait dans l'original que cette charité en acte qu'est l'aumône. Le don de l'Esprit fait à ces jeunes communautés, comme il vient d'être renouvelé pour nous-mêmes en cette fête de Pentecôte, déborde la seule prescription morale. C'est dans son souffle qu'il faut désormais comprendre les recommandations faites à l'Église. Ainsi l'amour peut-il concrètement prendre la forme d'une hospitalité généreuse et sans réserve, qui accueille l'autre en vérité, comme un frère. Ainsi, les dons reçus de Dieu, quels qu'ils soient, enseignement ou entraide matérielle, ne le sont que pour être mis au service de la communauté. Comme à l'origine, Dieu avait fait de l'homme le gardien et l'intendant de sa création, ici aussi, l'homme est défini comme gérant du don. Mais ce n'est plus la nature seulement qui est confiée à sa gestion, mais la grâce elle-même.
comme si même ce qui est le plus gratuit, le plus imprévisible, comme le vent soufflant où il veut, pouvait et devait trouver un usage raisonné et équilibré. Tout semble donc fait de paradoxes, attente à tout moment de la fin des temps et préoccupation dans la durée de la vie des communautés. Vivre de ce que l'on ne possède pas, les charismes donnés par grâce, mais les gérer en intendant aviser. Mais ces paradoxes se résolvent si l'on considère la situation dans laquelle écrit Pierre. Vous êtes mis à l'épreuve, rappelle-t-il, par les événements qui ont éclaté chez vous comme un incendie. Ce feu qui dévore la jeune Église, c'est la persécution. Persécution larvée de ceux qui, par facilité ou par tradition, s'opposent à cette façon nouvelle de vivre. Persécution sanglante de la part des autorités politiques de l'Empire. Il convient ainsi tout à la fois de poursuivre l'annonce de la bonne nouvelle selon l'ordre du Seigneur et de savoir qu'à tout moment, brutalement, tout peut s'arrêter. Sans que ce soit déroutant, comme le dit la traduction liturgique, sans que cela nous déroute, nous détourne de la marche à la suite du Christ, sans que cela paraisse étrange, dit plus littéralement le texte grec, soulignant que la persécution, à tout le moins l'opposition, n'est pas étrangère aux chrétiens, qu'elle représente plutôt son climat habituel, le climat même des béatitudes, réjouissez-vous, un climat pascal, tant Pierre lie fortement cette joie à la communion, à la personne même du Christ, qu'elle s'opère dans la souffrance ou dans la gloire. À cette aune, tout reprend sa place. L'amour qui règle la vie de la communauté et l'amour primordial qui fait tendre vers la fin des temps, peut-être pas la fin du monde, mais la fin de mon temps, pour entrer par le Christ et dans l'Esprit, dans la plénitude de la communion à Dieu. Ton esprit, Seigneur, et tout sera agréé. Tu renouvelleras la face de la terre. Tu renouvelleras la
ceux qui vivent dans la crainte de perdre un emploi. Seigneur, nous te prions. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Pour les victimes des conflits en Syrie, Seigneur, nous te prions. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Pour l'Église copte orthodoxe d'Égypte et la succession de leur pape, Seigneur, nous te prions. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, qui a donné à Saint Justin ton martyr,
de trouver dans la folie de la croix la connaissance incomparable de Jésus-Christ, accorde-nous par son intercession de rejeter les erreurs qui nous entourent et d'être affermis dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Du Seigneur.